8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1, 0. Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour, bienvenue dans cette émission Marius chez vous. C'est un plaisir, un bonheur d'être encore chez vous aujourd'hui, comme tous les jours, pour partager l'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur d'être chez vous pour partager ce moment particulier. Que vous soyez, si vous êtes un habitué de cette émission, nous vous disons un grand merci de nous avoir choisi. Merci de faire en sorte d'être là tous les jours et de faire en sorte que notre émission Marius chez vous puisse exister. Donc nous vous remercions énormément pour votre fidélité. Et si c'est pour la première fois que vous venez de vous joindre à nous, soit par rapport au titre de l'émission, ou simplement, comme ça nous arrive tous, vous étiez en train de vous ennuyer et qu'il y a quelque chose qui arrive dans les notifications, ou un ami vous a simplement envoyé le lien, nous vous souhaitons la bienvenue. Bref, si c'est pour la première fois, soyez les bienvenus et nous allons faire en sorte que le temps que vous passerez en notre compagnie soit agréable et que vous ne puissiez pas le regretter. Donc merci énormément d'être là, et nous de notre côté nous allons faire un effort pour vous donner l'information sans vous manipuler. C'est la devise donc de cette émission. Partagez l'émission avec vos proches à travers le monde, invitez-les à venir se joindre à notre communauté pour que nous soyons de plus en plus nombreux chaque jour à discuter des sujets qui nous préoccupent. Et aujourd'hui, donc, dans cette émission, une fois de plus, nous allons parler de ce sujet qui fait couler énormément d'encre partout, surtout sur les réseaux sociaux. Et dans cette émission, nous essayons, au-delà des sentiments et au-delà des considérations politiques, de vous apporter l'information telle que vous la méritez. Non seulement ça, mais nous voulons, les informations telles que vous les méritez, c'est ça le problème avec le français. Et vous devez comprendre, à un certain moment, il y a une partie de l'anglais que je suis en train d'apprendre qui me dit « tu t'en fous des articles ». Et de l'autre côté, il y a le français qui me dit « fais très attention Marius, tu as appris à l'école qu'on dit le et non la ». Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, donc je disais, nous vous apportons les informations, mais nous essayons dans cette émission de ne pas vous manipuler et de réfléchir ensemble sur tout ce que nous recevons comme information sur les réseaux sociaux, particulièrement en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Depuis près d'un mois aujourd'hui, nos yeux sont rivés sur ce procès de 100 jours, que j'appelle procès Vital Kamerhe. Un procès qui fait couler beaucoup d'encre, et finalement, après les plaidoiries, vous avez été très nombreux à réagir par rapport à cela. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi la prochaine étape? Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour, et c'est ce que nous essayons également de faire dans cette émission d'aujourd'hui, avec une émission qui sera à 100% juridique d'une certaine façon. Je veux dire juridique parce que nous allons avoir dans cette émission les spécialistes maison, le professeur Christian Kabangé, le maître Adolphe Mopotou Mokbaya, tous deux seront en direct avec nous par vidéo pour essayer de comprendre des choses que nous n'avons pas comprises et aussi
apporter notre point de vue à ce qui se passe. En fait, la particularité de l'émission d'aujourd'hui, j'espère que techniquement cela va être possible, c'est que vous aurez la possibilité dans l'émission d'aujourd'hui de poser des questions à nous juristes, s'il y a des zones d'ombre par rapport à des choses que vous n'avez pas comprises, ou encore vous pouvez interagir avec eux pour, si vous avez des préoccupations particulières par rapport à votre compréhension du procès ou par rapport à ce qui va arriver, vous pouvez également leur poser des questions en direct. Donc, il n'y aura pas que moi qui leur posera des questions, vous aurez également, vous, la possibilité de leur poser directement des questions ou demander des éclaircissements ou encore contredire si vous pensez que vous êtes juriste et que vous pensez que vous, ils disent pas des choses qui valent la peine, c'est qui est quand même assez rare avec des choix que nous avons faits, parce que vous pouvez remarquer que dans cette émission, nos spécialistes et maisons sont bien choisis. Alors donc, ce sera ça notre émission d'aujourd'hui. J'espère que la technique va nous le permettre et petit à petit, nous allons, avec les aléas du direct, essayer de nous en sortir. C'est pourquoi nous présentons toutes nos excuses à l'avance pour cette partie technique, si jamais elle arrivait à ne pas marcher ou si elle arrivait à nous trahir. Alors, la première partie de cette émission va être faite de... Nous allons essayer de faire un petit résumé de ce procès, enfin, disons de la dernière séance de la dernière audience. Voilà, audience, procès, ok. De la dernière audience, et puis nous irons aussi à Kinshasa, parce que c'est vrai, dans la diaspora, nous avons une image du procès, mais à Kinshasa, nos compatriotes aussi ont une façon de voir les choses. D'ailleurs, Kinshasa, où la République démocratique du Congo fait partie vient en deuxième position en termes de téléspectateurs de cette émission Marius chez vous, après la France. Donc, ce qui est aussi important que nous puissions aussi entendre, c'est que nos compatriotes au niveau du pays pensent de ce procès que nous vous proposons depuis un certain temps dans cette émission Marius chez vous. Je voudrais encore vous rassurer que nous sommes bien conscients que grâce à vous, cette émission n'existerait pas. Donc, tout à l'heure, pour entrer en contact avec mes invités, qui sont déjà là d'ailleurs, vous allez nous permettre de techniquement être prêts pour vous présenter à cette émission et vous donner exactement ce que nous vous avons promis. Allez, à tout à l'heure.
sans passer par des chemins, c'est pour s'être mis à jour les comportements des policiers congolais. Si tu imagineras qu'avec tous ces montants qu'on cite en millions, au moment où la population est très souffrée, avec les pots de feu marchés en bout, c'était des zaïres. Là, c'est des millions de dollars. Tu vas t'imaginer que quelqu'un se promène facilement avec 1 million de dollars, c'est une somme qui pouvait aider à construire 10 écoles modernes. Avec la fameuse gratuité d'enseignement, les enfants sont en train de souffrir pour étudier. Mais sont en train de voir comment est-ce que nos politiciens congolais jouent avec l'argent au détriment de la population congolaise. Bon, dire simple comme dire non, dire aussi que c'était droit non. Parce que c'est vraiment un peu de droit, on verrait les gens tels que la Bère Yuma au procès, on verrait les gens comme les DG de l'OGFREM au procès, on verrait l'affaire de la RVA suivre son cours normal, mais nous sommes en train de dire que c'est un bon début et que ça ne s'arrête pas là-bas, que cela puisse continuer pour que tous ces cassites qui ont voulu agir de la République puissent aussi répondre leurs actes. À mon avis, bon, d'abord j'appuie la justice congolaise et j'insiste que la justice est jusqu'au bout. Parce qu'on doit, essayer de découvrir l'auteur intellectuel. L'auteur intellectuel, c'est-à-dire que celui-là qui a facilité que ce détournement ait lieu. Comment expliquez-vous que avant de payer, il fallait une certaine vérification des documents, mais ça n'a pas été fait. Tous les 57 millions ont été payés en l'espace de 2 mois. Ça ne se justifie pas. Bien entendu, on ne voit pas là où il a détourné l'argent. Mais s'il est l'auteur intellectuel, c'est-à-dire à partir de la facilitation, il a beaucoup insisté. L'urgence, moi je ne trouve pas l'urgence. Parce que s'il y avait urgence, aujourd'hui, à peu près une année et demie, une année passée, où est l'urgence? Quand on insiste, on demande au ministre des Finances les paiements immédiats, on demande au gouverneur de la Banque Centrale les paiements immédiats. Mais on sent une sorte de complicité. En tout cas, je suis totalement satisfait. Ça n'a jamais été fait depuis que le Congo existe, mais au moins cette fois-ci, le président Fatshi a donné une sorte d'impulsion. Il y a un changement que le peuple congolais d'ailleurs est en train d'aspirer, mais je pense que ça doit continuer dans cet élan-là. Interprétation est claire, Makambo a attiré l'attention et a attiré l'attention Mboka Mobimba. C'est ça simple. Nous avons considéré le Congo, dans le Congo, tout ça, on a 4 boîtes. Tu as 4 boîtes, tu as 4 balles. Et bien, tu as un état, il y a une dictature, tu as un état de droit. Alors, tu as 4 cas, il y a un bon gars qui est en Makassi. Un bon gars qui est en Makassi. Et ça, il y a un bon gars qui est en Makassi. Il y a un pouvoir. Après, il y a un pouvoir au symbole. Tu as un pouvoir au symbole, il y a un bon gars tout ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tant que la société humaine est corrompue, tant que toujours justice, toujours refouler justice, toujours comme ça justice, c'est comme ça, transformer les droits en amertume, rien ne peut changer. Le niveau autocommis, on dit que tout à l'heure, on a matché. Bisonion, c'est que la justice élève une nation. Donc on ne peut jamais négliger justice, ou soit transformer les droits en amertume, ou soit on y attache. Sauf que n'y a pas de justice dans ma colonne à Bissot. Donc, quand tu sens que tu es balayé, tu es un peu bête, tu es un peu bête, soit des heures de côté, tu es un. Donc, rien ne va marcher. Donc, dans le total, le spectacle, il y a balayé. C'est la vie vraiment de toute la nation. Pour la caméra, Bagobi mebele. Bato balinika ki muyibi ba mesana ko lesa bana bona bona ki muyibi. Ba mesana donc banda kadakaka na makamuja mabe ya corruption. Bagoli ngati toke na ngamba ibale. Po tsoke na ngamba ibale na sima kamere bagobi mebele. Alors na ngonga koyo makambo to zumona na kacha Kongo, ise lokola ndene na lobi bwa to zoka tsana ngamba ibale, ifu to sembola loboko, sembola loboko se ve kwa. Il faut jamais transformer les droits en amertume. Il faut jamais cogner à la justice. Tout ce que la justice est là. Même un magistrat, on a. Au bas de chez Kamel. Sur le moment où occasion, pour Bango Balia, Bambongo, Bazoa, Bambongo, Bambongo, sa famille à Bango. Donc nos fronts seront toujours coupés. Nos fronts seront toujours coupés. Or, nous sommes quatre en Gambo. C'est sûr que nous avons dressé nos fronts longtemps coupés. Dressons nos fronts longtemps coupés. Tout le monde. Pour les
Ils sont toujours comme ça. Les fronts sont toujours coupés. Alors, nous devons à Congo et à Ngueletanzoto, que nos fronts soient maintenant dressés, qui étaient longtemps courbés à travers la procédure de l'Ebaboum. Ce que pour nous, c'est une dynamique qui ne fait que commencer, mais en réalité qui doit être appuyée, parce que ce n'est qu'un exemple. Le détournement, la corruption dans ces pays, c'est des trucs dans lesquels nous avons baigné depuis notre enfance. Mais cette fois-là, quand même, on sait croire que quand des autorités hautement placées peuvent en répondre, c'est que c'est quand même un signal important. Alors dans le cas d'espèce, par exemple pour le procès Vital Kamer et consorts, ce qui est vrai, c'est que moi personnellement, ça paraît comme une consolation en fait. J'ai habité la commune de Limité depuis plusieurs années. À un moment, j'étais dans l'obligation de quitter Motel Fikine où j'étais pour habiter quelque part. Et j'ai habité toujours dans la commune de Limité, mais vers le quartier Salongo. En tout cas, aller en ville, parce que c'est là mon lieu de travail, était la chose la plus normale. Je sortais, je prenais mon taxi calmement et puis je partais. Alors, au bout de quelques mois, c'était, je crois, après deux mois, j'ai vu qu'il y a des travaux qui devaient commencer, notamment les sauts de moutons à côté ici. Mais je ne vous dis pas qu'est-ce qui s'en est suivi. C'est tout le matin, quand vous sortez pour avoir un taxi, c'est devenu d'abord très difficile, même quand vous êtes en véhicule. Et je vois les nombres de passants qui viennent de la Tchangou, qui circulent quand vous êtes là, vous ne pouvez pas regarder, vous avez des vertiges. Et qu'on finisse, qu'on vienne apprendre que ces travaux, en réalité, ont traîné parce qu'il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent. Alors, quoi de plus normal que de voir ces gens-là payer, sinon en répondre devant la loi. Et c'est donc ce que nous attendons. Tous ceux qui sont impliqués, parce qu'on a fait croire à l'entame de ce procès que la partie défenderesse avait besoin que ça soit retransmis à la télévision, que le procès soit retransmis à la télévision, parce qu'il y avait des noms qui devaient être cités. Eh bien, c'est tout ce que nous avons entendu, que tous ceux qui sont impliqués dans ces détournements soient donc en répondre de leurs actes. Vital Kamer est condamné par une clameur publique. C'est comme dans la Bible. Félix, c'est écrit, c'est biblique, dans Actes des Apôtres. Félix fait arrêter quelqu'un pour faire plaisir aux Juifs. Et aujourd'hui, on n'est pas sorti du contexte. Si Vital Kamer sera arrêté aujourd'hui, c'est pour faire plaisir à la clameur publique, à l'UDPS et à tous qui ont regardé ces procès avec une condamnation en poche contre Vital Kamer. Passion, tout le monde a fait 100, 200, 300. On ne voit même pas école, une seule famille. La 4, 57, 2 millions, 3 millions, chose que les gens meurent aujourd'hui dans ma maman. Je vais beaucoup faire la clinique, mais je vais beaucoup faire par-ci, par-là. Pour un 100, un 50, un 10 dollars, c'est décevant. Tout le monde a créé un abattoir, un mboka, un mboka, vraiment un mboka. C'est-à-dire, il y a soit ma kino, un mboka, un et donc ça, la passe dans mon thème. On oublie, quand on pense à la tête, un mboka, on va mettre un solo. Et le régime, la ceinture, le budget, lobby, équilibré, moto la moto, a gagné quand même par naïe équitablement par rapport à ma besoin. Mais quand on va tout en haut, on va une campagne. Ça veut dire le président Félix Tshisekedi, la compagnie dans l'hôpital Kamer, on retrouve directement compagnon, dans le cas de détournement, dans le cas de achat. Est-ce qu'on peut imaginer, puis on a passé par là à travers le monde. On peut imaginer le mariage d'un directeur du cabinet du chef de l'État. 862 000 dollars. Et ça, c'est l'enveloppe. Il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe. 4 ducs. 10 millions, 33 000 euros. 10 millions de francs CFA. Et puis, ça m'a caca dans le mariage. Donc, ça nous fait mal au cœur. Il y a comme on a. Maman, on a fait un petit peu de temps. Petit dans la télé Mikuna, à la licence, à sa coopération, mais Congolais, le voilà,
Mobutu a sali qui m'a gagné 862 millions congolais locaux là. Garçon a somi ma part ma cabellier Lupangu. Soit disant ma cabellier Lupangu pas Jamal. Jamal a lobby à Kabi, il a lobby à Somi. Donc tu vois comment le Congo est entre les mains de gens qui sont en train de blaguer avec plus de 12 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Plus d'une quatre-vingtaine de millions d'habitants. Il y a Congo Mobimba. Et là, tout le monde va se faire 10 millions. Oh, après ça, moi, c'est 1 million. Les gars, moi, c'est quelqu'un qui doit suivre 9 millions. Mais, violent à la Simaola, à Kenara, la banque, pour retrouver juste salaire naïe, il y a $200, il y a $100. Et il y a des hommes qui ont étudié. Oh, Basali, dans le gardinage, il y a une entreprise qui ne gagne que 80 000 francs congolais. Équivalent à $50 le mois, père de famille, il paye une maison, il a la maladie, les études de son fonds, la 80 000 francs congolais. Et un directeur du cabinet de chef de l'État est conscient, parce qu'il vit à Kinshasa, il est acquis, il est conscient qu'il y a des gens qui vivent de la sorte. Mais au vieux issu, il y a pour même population wana, oh là ça moi aussi d'ailleurs, collier à diamant. Au vieux issu, il y a même population wana. Olo bate collier à diamant oyo, Soraya Kalisa qui l'équipe pris à Jeep naïe, collier à diamant oyo. Mais ça c'est torturer la population qui doit venir vous voter, la population qui vous vote. Donc moi, c'est là mon malade. C'est là ma procès. C'est là qu'on somme qui s'abattent dans là. Mais c'est que ça ne soit pas de procès politique. Qu'on attaque que Kamere parce qu'il y a eu des attentes que Kamere aux années 2023. Aujourd'hui. Malingé Lieboul, parce que ça n'a pas. Que le procès en question, si seulement il y a le droit, tout de droit, ne s'arrête pas qu'à la caméra. Que le cas qui dossier à Yuma, que le gouverneur a mis le solisolo à Kimbouta à 60 millions, tout ça koyoka, tout ça koyoka, tout ça koyoka. On ne mérite que, il y a caméra aussi là, tout le monde qui moute à la barre. Et aussi là, tout le monde qui moue moumba à la barre. Et aussi là, tout le monde, quand même que tous ces poids lourds là, qui sacrifie notre richesse au détriment de la vie, sauf à tout photo bénéficiaire dans le contribuable, qu'on a besoin de bango, qu'on a ma famille dans bango, tout son en Anzela. Tu applaudis le procès, ton dimi, mais que ça, soit, que ça ne s'arrête pas. Il y a un compte à rendre dans bango politique. Voilà, vous avez suivi un tout petit peu, une petite représentation de ce que les Kinois pensent de ce procès. En tout cas, c'est ce que nous allons essayer de faire de temps en temps. C'était juste un essai avec un groupe des gens qui veulent bien nous aider de façon bénévole. Ici, je voudrais remercier King Muhunga, qui est au fait mon grand frère, il est journaliste, et Christian Banzo, qui ont donc recueilli pour nous tous ces points de vue, merci à eux. Donc King Muhunga, c'est mon grand frère, donc je vous le dis déjà. Il est journaliste, donc c'est plus facile de travailler avec un frère qui vous demande rien, qui veut faire ça pour vous soutenir. En plus, King Muhunga, c'est un journaliste connu, Top Congo FM, et Christian Guanzo, c'est aussi un grand journaliste à Kinshasa, donc ils essayent de nous aider. Et de temps en temps, nous voudrions bien établir ce lien pour avoir aussi cette vue, cette touche à partir de Kinshasa, et c'est que comme ça que nous comprendrions mieux ce qui se passe en République démocratique du Congo. Voilà, nous avons suivi ça, nos intervenants seront avec nous tout à l'heure, et pour nous rafraîchir la mémoire, j'aimerais bien que nous puissions retourner à la conclusion de ce procès. En tout cas, j'aimerais bien vous proposer la conclusion de Monsieur Jamal, qui est également co-accusé dans ce procès, et celle de Vital Kamerhe. Après leur conclusion, nous reviendrons ici pour essayer de réfléchir sur la question même de cette émission. Vital Kamerhe est-il coupable ou innocent? Après avoir suivi tout le procès, après avoir suivi leurs avocats plaider pour eux, après avoir suivi leurs conclusions, qu'est-ce que nous pourrions penser? Quelles sont les chances pour Vital Kamerhe et Sami Jamal de s'en sortir ou dire chance ou malchance d'être condamné? C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure avec nos deux spécialistes qui sont déjà avec nous, mais aussi avec vous, parce qu'aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'interagir avec eux. On suit ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Je vais parler. Je suis innocent. Je reçois l'argent
tu peux demander le transit, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. Pour les, d'abord, excuse-moi, deuxième projet, pour Osmar. J'ai reçu 2 137 500. Depuis 4 mois, le 93 maisons, on m'a tardé avec le conteneur de carreaux. Personne ne va sortir. Dehors, personne ne va sortir. Vous voyez que, monsieur le bourgeois, il va me féliciter avec monsieur le ministère public. Le ministère public, avec grand respect, il dit je suis terroriste. Je ne suis pas mort, Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je voulais. Excuse-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 en prison. Condamner mort, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je vais continuer tout le travail à mon responsabilité, le plus bref délai pour le président de la République, pour les peuples de Congolais, pour les frères ministres, pour les frères de police, pour les frères militaires. Quelqu'un, monsieur le président, avec grand respect, 4 mois, je suis âgé 80 ans, vous voyez que monsieur le bourgeois, il me condamne 10 ans à cause de quoi? Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamchatka, à l'intérieur, regarde le travail. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez, et puis je suis innocent, innocent, innocent. Je voudrais dire... D'abord, que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait traité. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, et lui a dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, t'as la mouivana, mouivana, quoi t'as, mouivina, non, mais c'est pas possible. Comment on peut affirmer des choses, monsieur du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Laïda, Mpiana Soraya, Mpiana Junior et Kinoani Dias. C'est vérifiable. Je ne vois pas comment on va venir ici expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat dit que j'ai financé la campagne de mon parti. Mais j'ai vu les gens tiquer. Mais posez la question membre du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Kamere, président national, qui a payé sa caution et qui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle marécageuse. Je rentre que dans ce que a été ici. On a parlé du communiqué de M. Kamere. Non. C'est le communiqué du président de la République.
Et c'est une pratique républicaine. Dans tous les pays du monde, quand le premier ministre tombe, le gouvernement expédie les affaires courantes. Le gouvernement ne peut poser les actes comme si il était légitime. Non, les affaires courantes. Et là, c'est bien mentionné ici. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'exécutif. C'est en français. Et on ne parle pas seulement de dépenses, mais on parle aussi d'écritement et de mise en place. Puisque c'est à ce moment-là suspect qu'on profite pour engager les membres de famille, pour dilapider les biens de l'État et le peu d'argent qui reste dans la caisse. C'est fait que souvent, quand le nouveau ministre arrive, il ne trouve ni ordinateur, ni un peu d'argent dans les comptes. Nous disons ici, nous sommes venus, et j'ai pu entendre ici que nos amis ont refusé finalement, et c'est la première fois que j'entends ça, je ne suis pas juriste, que pièce contre pièce ou pièce sur pièce, c'est des bonnes choses. Mais c'est donc éloquent. Ils ont cherché partout, parce que la première charge, c'est détournement des deniers publics. Ça signifie en d'autres termes, je suis en train de réfléchir, qu'avant que l'argent ne sorte des banques, M. Jamal et moi, nous sommes allés dévaliser la banque, ou la banque nous a remis ensemble. Puisque les deniers publics vont entrer entre mes mains, comment? Mais aujourd'hui, c'est l'affaire de Kamer. Kamer est ici, et se pose toujours la question de savoir, il est ici, comment et pourquoi. J'étais convaincu qu'aujourd'hui, on va me présenter finalement les pièces. Monsieur Kamer, sur les 57 millions de dollars américains, voici preuve à l'appui ce que vous avez reçu. Monsieur Kamer, sur les 1 174 000, je ne sais pas combien de messieurs Jadot, voici votre part. On ne doit pas supposer, on doit présenter. Monsieur Kamer, sur les 2 millions 100 et quelques de Ousmane, voici votre part. Ici, je voudrais dire aussi que nous sommes entrés, pas de faire le droit ici, et que j'ai entendu si on est entré faire la politique. Mais laissez-moi vous dire que le programme de 100 jours, c'est 132 000 enseignants nouvelles, non payés, qui sont payés par Félix Tshisekedi. 300 000 nouvelles unités en train d'être mécanisées. 5 000 médecins, allez voir au ministère du Budget, progressivement en train d'être payés. Le salaire des enseignants est passé de 50 dollars à 250 dollars américains pour permettre aux parents de ne pas payer. Et ceci, vous vous souviendrez quand nous étions partis au sacre revenant de Rome, le cardinal Ambongo avait dit, monsieur le président, c'est une bonne chose de parler de la gratuité, mais il ne faut pas que la réforme vienne tuer finalement le système éducatif. Et il a fait ces deux remarques, le président m'a demandé de noter, c'est comme ça que nous avons engagé des discussions avec les coordonnateurs des écoles conventionnelles catholiques. J'ai dit aussi que ce procès est politique. Pourquoi? Parce que au moment où nous parlons, nous avons 132 écoles construites dans le cadre de 100 jours. Nous avons 42 centres de santé construits dans le cadre de 100 jours et 32 équipés. Nous avons remis l'eau à Kitona. Depuis 10 ans, les militaires n'avaient pas d'eau. On a remis l'eau au camp Okolo. Et maintenant, le président pense à donner aux militaires 2 maisons et 1000 maisons aux policiers. Vous estimez que le président qui avait dit qu'il doit faire du social des militaires et des policiers, le premier défenseur de la République, sa priorité, c'est une mauvaise chose. Moi, je suis étonné. Donc, je voudrais conclure en disant ceci. On a pu démontrer ici, puisque c'est en direct, par une pièce irréfutable, le détournement du bien public par M. Kamer. On a pu démontrer ici, d'ailleurs, je n'avais même pas besoin de parler, puisque Jamal a parlé lui-même. Il ne m'a jamais rien remis. On n'a pas pu démontrer ici la correcté avec M. Jeannot, puisque vous a présenté toutes les pièces. Les comptables ont parlé. Je veux dire, quand les comptables parlent, les militaires publics ferment les oreilles ou comment? Puisque le comptable a dit oui,
j'ai reçu des charges et au retour, j'en ai venu me remettre les pièces justificatives. Alors, je pose la question. Au niveau de la corruption, vous supposez qu'on m'a corrompu parce que Changalume est mon cousin, mais monsieur le président. Donc aujourd'hui, s'il y a un membre de votre famille ici à Makala, automatiquement on doit vous amener aussi à Makala. Comme je suis là, donc en principe, on devait amener aussi mes enfants, votre papa c'est un voleur, vous tous là, vous êtes des voleurs. Le pénal, c'est individuel. C'est un père de famille, il a ses enfants, il a sa femme, et il est présumé innocent. On a essayé de les torturer à gauche à droite, citer le nom de Caméré. Je vais citer un innocent. Le peuple ici a été soumis aussi à beaucoup de d'interrogatoire, cité caméra, pas de caméra. Et c'est politique, pourquoi? Parce que quand nous découvrons qu'il y avait des ponts, plus de 35 ponts, qui n'avaient pas été placés alors qu'ils avaient déjà été achetés, on découvre qu'il y a des bacs 24, on les pose et on fait 2000 kilos de route bâtie, le DG de l'office des routes est arrêté. Quand on a donné les travaux de saut mouton, et on fait l'avenir du commerce, on bétonne Bokassa, on fait une nouvelle avenue à Kinshuka, on bétonne la vie de, une partie de l'avenir du tourisme, on dit non, 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 la vie de l'université, il n'y a plus de Mabouma Zengle, c'est fini cette affaire, c'est à partir du passé. On fait Kulumba, on fait Pelende à Tchangou, on dit non, si on laisse ces gens conduire à cette allure, avec seulement 200 22 millions sortis du trésor public, 17 millions de fonds de promotion de l'énergie et 27 de FONER, ou l'inverse, mais j'ai tableau ici. On se dit non, ça c'est la valeur d'un seul ouvrage dans le passé. Je ne vais pas engager de polémique ici. Donc j'aurais vu que nos magistrats qui sont très regardants, parce que la République n'est pas née d'aujourd'hui, on a eu la réalisation, on a eu l'objectif 80, on a eu des promesses. Mais celui-ci arrive et il commence. Et la pratique des 100 jours, j'ai vu les 100 jours du président Trump, c'est pas terminé et il a expliqué pourquoi. J'ai vu les 100 jours du président Macron, les 100 jours du président Giscard d'Estaing, les 100 jours de Mitterrand, les 100 jours, c'est une pratique désormais du président du Ghana et du Sénégal. Allez sur Internet, vous allez voir ça. Et qui conçoit ça et sous la direction de qui? Le président n'est pas n'importe qui, vous venez s'asseoir avec les gens. C'est son directeur éliminé. Et il le fait pour terminer votre honneur. Oui, en conclusion. Pour terminer, il le fait, c'est pourquoi je disais que c'est politique. Il le fait sur base justement de l'article 6 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du cabinet du chef d'État qui dit clairement dans ses alinéas que le directeur de cabinet est chargé des liaisons et de correspondre avec toutes les institutions au nom de la présidence de la République. Donc ici, l'inconstitutionnalité qui a été soulevée par mes avocats, parce que nous n'avons pas bénéficié de tout notre temps pour nous défendre, nous pensions que vous allez accéder à notre demande pour un procès aussi sérieux. Nous pensions que ça pouvait prendre 2 ou 3 jours, je me disais, d'outre-mer, ça peut prendre même 2 mois. Et donc, je peux même accepter de rester 2 mois ici en prison, mais plutôt que d'expédier les affaires avec peut-être déjà une sentence qui est déjà prononcée d'avance. Alors, nous aurons perdu du temps inutilement. Mokele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps. Conclure alors, s'il vous plaît. Oui, je suis en conclure. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Caméré. C'est quand même dommage. Merci. Tout en vous remerciant. En disant que, Zali Kambo, il y a Mboka. Merci. Vanu, Malou Ditumba. Awa, Yoke, Mambu, il y a Isbetut. Apa, ni Mambu, il y a Inchi.
Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Voilà, donc ça c'était le dernier mot de Vital Gamere. Nous l'avons également suivi de Sami Jamal. Alors, je vous l'ai dit, donc pour commenter tout ça et aussi vos questions, nos spécialistes maison, ils sont donc avec nous, Maître Adolphe Mopotou Mugbaya est en direct avec nous depuis New York. Maître Adolphe, bonsoir. Bonsoir, cher Marius. Merci beaucoup, Maître Adolphe, d'être toujours là avec nous quand on a besoin de vous. Et puis, à Maryland, aux États-Unis d'Amérique, le professeur Christian Kabangé. Prof Christian, bonsoir. Bonsoir, Marius. Merci à vous deux d'être avec nous encore aujourd'hui. Nous allons essayer avec vous de comprendre ce qui se passe. Quelles sont les chances de Vital Gamere de s'en sortir dans ce procès ? Vital Gamere parle d'un procès politique. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion de tout ce qui se raconte autour de ce procès? Et aujourd'hui, vous aurez un exercice, cher juriste, c'est celui de répondre aussi à des questions des téléspectateurs, parce qu'ils sont très nombreux, comme moi, à ne pas comprendre exactement ce qui se passe dans ce procès à certains moments. Et ils vont vous poser ces questions, et nous espérons que la technique va nous le permettre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, de temps en temps, vous sentez des échos, c'est parce que on est en train d'essayer un nouveau système technique qu'on n'a pas encore maîtrisé, et toutes nos excuses pour ça, je l'ai dit au début de cette émission. Mais pour commencer justement ce débat, permettez-moi d'appeler ce débat, cette polémique autour de, est-ce un procès politique ? Est-ce que Vital Gamere est innocent ou coupable ? Parce qu'on se dit dans ce procès que la partie accusatrice n'a pas démontré noir sur blanc. Nous n'avons pas vu quelque part dans ce qu'ils présentaient, quelque part où ils ont dit « Voici, Vital Gamere a fait ça, et de là, cet argent est sorti, et de là, il y a eu ça, qui montre que c'est lui qui en est le bénéficiaire. » Et nous avons vu comment lui-même utilise donc ce fil de sensibilité politique où il pense, il a dit d'ailleurs dans les quatre langues, que ce sont des gens qui sont contre la réussite de l'actuel président qui travaillent pour faire en sorte que son plan puisse échouer. Alors nous savons que la dernière décision viendra bien sûr de juge, mais j'aimerais quand même vous lire cette réflexion, et c'est cette réflexion qui va essayer de nous guider tout au long de cette polémique, de cette discussion. C'est une réflexion d'un juriste que j'ai sur laquelle je suis tombé sur les réseaux sociaux. Cher juriste, c'est ce que j'aimerais bien utiliser avec vous pour que nous puissions ensemble réfléchir sur toutes les questions qui sont posées ici. Alors cette réflexion, justement, si je peux rapidement la lire pour nous tous, dit ceci. C'est monsieur Charles Nicolas M, qui est juriste congolais, qui émet ses avis et considérations juridiques sur le procès des 100 jours. Si faute existe, ce serait des fautes disciplinaires et administratives qui ne justifient pas une condamnation au pénal, mais à des poursuites en administratif, en disciplinaire et même au civil. Pour M. Vital Gamere, le fait d'avoir obtenu le paiement des Samibo et Ousmane en urgence et sans contrat régulier ne saurait à lui seul constituer une infraction au pénal. D'autant plus que toute la procédure des paiements a été faite correctement. Si ceci est une faute, elle serait administrative, qui d'ailleurs devrait être reprochée à toute la chaîne de paiement, qui implique des très hauts fonctionnaires de l'État, notamment le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque Centrale, et j'en passe. Pour être constitutif d'un détournement des deniers publics, ceci devrait être accompagné d'un gain ou un intérêt certain direct ou indirect par lui ou par le biais de ses proches. Et l'enrichissement présumé des membres de sa famille biologique et politique, qui du reste n'a pas été soutenu par preuve matérielle démontrant le fameux schéma intellectuel, qui logiquement devrait montrer clairement comment ne fût-ce que un dollar de ces millions prétendus détournés a profité à M. Vital Gamere ou à ses proches. L'absence des preuves plonge les tribunaux dans le doute en droit pénal. Le doute profite
à l'accusé, car mieux vaut avoir un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Je ne vois pas la base juridique pour soutenir la condamnation de M. Vital Kamerhe, car il manque d'éléments matériels. Un acte posé par M. Vital Kamerhe en dehors de la procédure d'urgence des paiements qui, à mon sens, se justifiait dans le contexte politique de l'époque. Il manque aussi l'élément moral qui, à la limite, serait démontré sans l'ombre d'un doute en apportant des preuves que M. Vital Kamerhe ou ses proches aient bénéficié directement ou indirectement des 57 millions ou des 2 millions payés à Samy Beau et à Ousmal. Face à ce doute flagrant, le juge n'aurait d'autre choix que de constater l'absence d'éléments matériels et moraux de ce fait déclaré. L'infraction de détournement de deniers publics non établi et acquitté M. Vital Kamerhe. Pour M. Jamal Samy, l'irrégularité avérée dans la procédure de paiement des 57 millions et des 2 millions reçus par lui du gouvernement de la RDC pour la construction de 1500 et 3000 maisons ne saurait être retenue contre lui comme l'élément constitutif d'infraction détournement des deniers publics en corréité présumée avec M. Vital Kamerhe. Ceci ne serait envisageable dans son chef qui, si après exécution et livraison des travaux au dit, montre que M. Jamal Samy n'a pas respecté son cahier des charges et qu'il en résulte des sommes d'argent que ce dernier n'a pas l'intention de rendre au trésor public. Ce qui démontre dans son chef de l'intention de soustraire ces montants non utilisés de la trésorerie publique. Encore faut-il que d'autres éléments constitutifs soient clairement démontrés. Vu ce qui se précède, y compris les arguments pour M. Vital Kamerhe, je ne vois pas de corréité dans les faits ni des preuves pouvant amener à condamner M. Jamal Samy. Il manquerait des éléments matériels montrant sans l'ombre d'un doute que M. Jamal Samy a fait profiter à son présumé co-auteur ou un membre de sa famille biologique, ne fût-ce que $1 américain venant de 57 millions payés à Samy Beau, ni de $2 millions payés à Ousmal. Il manquerait aussi d'éléments moraux que personnellement j'attendais du fameux schéma intellectuel, qui s'est soldé en slogan creux, car même en prison, le monsieur a réitéré son engagement à finir les travaux pour lesquels il a été payé, surtout qu'il n'y a aucune obligation légale de sa part d'exécuter les travaux avec l'argent payé sur son compte à la Rawbank. Dès que l'État congolais lui a payé cet argent, il a le droit d'en disposer à sa guise, quitte à lui délivrer les travaux selon le cahier des charges convenu avec le gouvernement de la RDC. Donc, le juge manquerait d'éléments matériels et moraux à imputer au prévenu Jamal Samy et devrait déclarer l'infraction des détournements non établie et acquitter M. Jamal Samy. Ces analyses sont faites sur base des éléments rendus publics lors des débats télévisés, donc susceptibles de varier en fonction d'éléments nouveaux ou d'éléments existants dans les dossiers mais non débattus dans les discussions télévisées. Il demande à ce qu'on lui donne des avis juridiques sur ces faits, justement, et j'ai trouvé ça intéressant parce que ce sont des éléments qui peuvent donc nous permettre d'essayer de créer un débat là-dessus. Ça dit donc de M. Nicolas M., qui est juriste et congolais, qui a donc émis ses avis par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que nos invités, nos spécialistes maison sont là. D'abord, je voudrais vous entendre vos réactions à chaud sur cette déclaration de ce juriste congolais comme vous. Ce serait quoi votre première réaction? On va commencer par Maître Adolphe, depuis New York. Oui, d'abord, j'aimerais que les choses soient claires. Nous intervenons ici, experts, objectifs. Il ne faudrait pas que les gens puissent considérer que nous avons un problème particulier contre un prévenu ou contre un autre. Donc, on va essayer de donner un avis tout à fait technique par rapport aux faits, ainsi que par rapport à tout ce que nous avons suivi comme procédure
sur ce procès Camere et consorts. J'ai effectivement suivi la lecture du raisonnement de ces juristes, mais je pense que je respecte ce raisonnement, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas cohérents et qui ne sont pas corrects. Il est en train de fonder son raisonnement non pas du point de vue de la recherche même de la constitution des éléments d'une infraction, c'est-à-dire l'élément moral, matériel et légal, mais plutôt il recherche les éléments dans la sociologie. Il veut ici voir qu'on lui montre un document où Vital Camere niait, voilà, un acte de reconnaissance, et voilà, j'ai reconnu avoir perçu la somme de telle entre les mains de M. Jamal. Il ne trouvera pas ce document. Je tiens ici à préciser qu'il s'agit de l'infraction de détournement. Et il ne consiste pas dans les effets de l'infraction. Il faut faire la différence entre la commission de l'infraction et les effets que ces infractions auront produits. Ici, on juge le comportement de l'infracteur. On juge le comportement du prévenu. On ne juge pas les effets. On ne juge pas la richesse qu'il aurait obtenue par rapport à cette infraction. Sinon, on le poursuivait pour enrichissement illicite. Il s'agit ici de l'infraction de détournement. Qu'est-ce que le prévenu a fait, a posé comme acte, qui ont amené à ce qu'il y ait de l'argent de l'État qui soit sorti de façon illégale. Je voudrais ici préciser qu'il y a des éléments importants qu'il faut souligner, parce que je l'ai entendu parler notamment d'une faute administrative. La faute administrative, c'est qu'on soit par rapport à une personne qui est compétente administrativement, dont les attributions sont reconnues. Vital Camere ici a agi en tant que Premier ministre alors qu'il ne l'est pas. Et donc, les choses doivent être clarifiées à ce stade pour essayer de comprendre que le tribunal juge le comportement de la personne. Il y a une jurisprudence en cette matière qui dit qu'il ne faut pas forcément que le fruit de l'infraction bénéficie au prévenu pour constater l'infraction et détournement des deniers publics. Il y a deux éléments principaux qu'il faut retenir en ce qui concerne l'infraction et détournement. Il faut premièrement qu'il s'agisse d'un fonctionnaire de l'État et deuxièmement qu'il s'agisse du denier public, c'est-à-dire l'argent de l'État. Mais alors, le comportement qui est jugé, c'est que comment l'agent ou le fonctionnaire a agi. Est-ce qu'il a agi en respectant les règles qui sont établies et que ces règles qu'il n'a pas respectées ont eu un impact sur les finances de l'État ou sur l'argent de l'État, c'est ce qui est jugé. Il ne faudrait pas vous attendre ici qu'on vienne vous dire, voilà, Vital Camere aurait signé un acte de reconnaissance d'avoir perçu de l'argent quelque part. Donc, je pourrais revenir sur cette question pour essayer de démontrer, effectivement, c'est l'acte qui est jugé. Je pourrais, pour ainsi conclure, donner un exemple. Il s'est agi d'un contrat. Pensez à l'époque du gouvernement Tshibala. Et à l'époque, Itakwira était ministre des Affaires rurales. Le contrat qui devrait être mis en exécution prévoyait 26 millions de dollars. On peut considérer aujourd'hui que ce contrat n'existait pas parce que ce contrat n'est plus validé, ni le contrat, ni l'avenant. Mais le montant qui est sorti, c'est le montant de 57 millions de dollars. Admettons même que ce contrat était valable, mais le contrat prévoyait 6 millions de dollars. C'est là où la justice va chercher l'acte de détournement. Le fait pour la personne d'avoir fait pression sans juridique, sans aucun document, de sortir l'argent pour M. Jamal, c'est ce qui est jugé. Et le tribunal va chercher à voir si effectivement M. Camere avait un sous-bassement pour ordonner qu'un montant de 56 millions de dollars soit décaissé et que M. Jamal puisse à ce moment-là recevoir cet argent par rapport aux travaux que le gouvernement avait ou que le président de la République avait annoncé. Donc, c'est dans ça que l'on va trouver l'élément de détournement. Je pense que le prof Christian pourrait éventuellement me compléter. Oui, prof, justement, est-ce que le maître a parlé tout à l'heure des sous-bassements, est-ce que
À ce niveau, il y a moyen d'établir justement ces sous-vêtements, ces sous-bassements. Bon, il y a Sou qui a précédé, j'espère que vous ne montez pas rigueur. Ce sous-bassement, ce sont des choses qui arrivent surtout quand c'est en direct. Ce sous-bassement, si c'était enregistré, on aurait coupé ça. Ce sous-bassement, justement, sur le fait que M. Caméré, est-ce qu'il, pendant le procès, il y a eu des éléments qui pouvaient montrer ce sous-bassement entre M. Caméré, qui serait impliqué en lien avec M. Jamal pour sortir justement ces 57 millions de dollars. Est-ce qu'on a vu ça tout au long de ce procès, Prof. Christian? Ok, alors, merci beaucoup pour la parole et je pense que il faudrait peut-être que je précise aussi que il n'est pas question ici de tirer des conclusions sur ce qui va arriver le 20 pour dire que M. Caméré sera acquitté ou condamné. Donc, on est simplement en train de donner des avis juridiques, des observations sur base des différents éléments qui ont été développés par différentes parties. Alors, par rapport à la question du sous-bassement juridique, j'aimerais répondre à cette question et en même temps aussi répondre aux juristes dont vous avez lu l'avis, je pense M. Nicolas. Je pense qu'il faut, quand on veut donner une opinion juridique, éviter de tomber dans ce que j'appelle le raisonnement populaire. Parce que le raisonnement populaire s'éloigne généralement des subtilités du droit pénal. N'est-ce pas? Bon, les gens voulaient voir une pièce, un document qui montre que M. Caméré a touché, le directeur de cabinet a touché tel ou tel montant. Ça, c'est la logique populaire. Mais au niveau du sous-bassement, il faut retenir ceci, c'est que la loi, ou la jurisprudence, retient que lorsque vous avez donné l'ordre que l'argent sorte des caisses de l'État, sans qu'il y ait une pièce justificative, on retient déjà le détournement dans cette hypothèse-là. Et ici, notre ami aurait pu peut-être nous expliquer quel était le sous-bassement juridique sur base duquel M. Caméré a ordonné la sortie de cet argent. On a fait cette discussion sur la question de l'avenant et je vous ai expliqué que même si M. Bitakwira avait signé le projet d'avenant, cela n'était pas suffisant pour produire des effets sur le plan du point de vue juridique. Il y avait une autre exigence qui n'a pas été remplie. C'est celle qui exigeait que l'autorité des régulations de marché public puisse approuver. Et en l'absence de cette approbation, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de sous-bassement juridique et l'argent est sorti des caisses de l'État. Et si vous lisez la jurisprudence de la défunte Cour suprême de justice, ces éléments-là sont suffisants déjà pour retenir l'infraction du détournement. Alors, à ce niveau, il faut dire que les choses vont se déterminer au niveau de l'intime conviction du juge. Si le juge estime que les éléments qui ont été présentés par l'accusation sont suffisants, il va retenir la culpabilité des prévenus. Mais s'il estime qu'il faudrait rechercher encore un don spécial, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être fallu démontrer un peu plus, il peut acquitter les prévenus. Donc c'est difficile de le dire, mais conclure que l'accusation n'a pas produit suffisamment d'éléments pour établir le fait que l'argent soit sorti sans sous-bassement juridique, c'est pas correct. Sur la question, peut-être, si je reprends par rapport à la responsabilité administrative, je dirais simplement ceci. L'existence d'une responsabilité administrative n'est pas incompatible avec celle de la responsabilité pénale. Au niveau de la responsabilité administrative, on analyse, on essaie d'évaluer si l'agent public a commis une faute de fonction ou s'il a commis une faute personnelle. Je pense que Maître Adolphe l'a dit, on a un directeur de cabinet qui a posé les actes d'un premier ministre, donc il a posé une faute personnelle. Ça peut s'analyser différemment sous l'angle de la responsabilité administrative. Mais cela n'exclut pas que l'on puisse poursuivre au pénal et si les faits infractionnels sont établis,
que l'on puisse tirer vraiment les conséquences au droit. Alors, je ne sais pas si je dois continuer et reprendre à sa question sur les 57 millions avec M. Diamant. Oui, bien sûr. Parce que nous voudrions également essayer de comprendre, parce que on parle moins de M. Diamant ici, dont la vie aussi est en danger, entre guillemets, parce qu'il risque de se retrouver condamné. Vous avez entendu la réflexion de ce juriste et sur le sort de M. Jamal. Est-ce qu'on peut dire que M. Jamal, par rapport à son raisonnement, voilà, c'est quelqu'un qui a eu de l'argent de l'État, qui est en train de faire un travail qui n'est pas encore fini, et que avant de le condamner, il faudra peut-être aller jusqu'à la fin des travaux, parce que il dit, et il répète chaque fois qu'on lui donne l'occasion de les dire, que les travaux ont été faits, aller voir le camp Tchatchi qui ressemble à l'Europe. Et il dit aussi qu'il y a des choses qui sont bloquées à Matadi, qu'il a besoin d'argent d'ailleurs, il a écrit pour ça. Est-ce qu'il ne faudra pas attendre la fin de ses travaux pour juger s'il a exactement fait ce pour lequel il a eu l'argent, ou pour l'instant, voilà, il est cuit, il n'y a plus moyen de s'en sortir. J'aimerais bien vous entendre par rapport à M. Jamal aussi. Maître Adolphe. Oui, j'aimerais ici apporter suffisamment d'éclairage par rapport à son déterminant. Il ne faudrait pas confondre ce pourquoi il a été payé et le montant qui ont été effectivement déboursés pour les travaux. Monsieur Jamal a perçu de l'argent et c'est avec Ross qu'il dit qu'il va finaliser les travaux. Cela vient montrer davantage qu'il avait perçu beaucoup plus d'argent que prévu. Parce que vous vous souvenez, le contrat initialement établi entre Jamal et le ministère des Affaires rurales avait prévu pour le même nombre de maisons, si ma mémoire est bonne, 26 millions de dollars. Et un montant de 56 millions ont été déboursés pour les mêmes travaux. Le problème, c'est que Jamal n'aura pas de problème pour terminer ses travaux parce que la facture a été doublée. Et donc, qu'ils disent qu'il a fait tout ce pour quoi il a été payé, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce contrat a été en 2018. D'appuiera qui prévoit un montant de 20 millions de dollars. Que Jamal au moment où il acceptait que le montant soit doublé, alors qu'il savait pertinemment bien que le montant initial était de 26 millions de dollars. C'est là où Jamal intervient dans cette infraction de détournement. Je ne dis pas qu'il est coupable, non, monsieur Camir non plus, mais je dis simplement qu'on essaie que le contrat avait prévu un montant de 26 millions de dollars et que pour le même contrat, bien que ce contrat n'a pas été validé, que l'on puisse doubler le montant et qu'il ait accepté de percevoir un montant doublé, c'est là où se trouve le problème. C'est la raison pour laquelle il est impliqué. Et donc, il va probablement terminer les travaux parce qu'il a perçu suffisamment de l'argent, et là, c'est ce qu'il avait demandé, et je ne pense pas que le problème va se poser de ce point de vue-là. Voilà comment je vois les choses. Voilà, donc on va essayer, maître de prof, avec vous. Je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire maître Adolphe. Toutes nos excuses pour des petits tâtonnements techniques. Prof, monsieur Jamal, c'est quoi selon vous qui le condamnerait? Ou parce qu'on on sent que ce monsieur, quand il parle, non seulement il ne dit pas exactement ce qu'il pense en termes de limité par la langue, mais quand on l'écoute, on a comme l'impression qu'il ne comprend pas tout à fait le contour de l'affaire. Parce qu'il revient tout le temps sur le fait que il n'a pas volé l'argent, il a reçu l'argent, il a fait ce qu'il devait faire, et maintenant il doit finir. Donnez-moi l'argent pour que je termine. J'ai écrit pour comment. En fait, on a l'impression quelque part qu'il est dans un autre monde que celui du procès. Est-ce que le fait
qu'il se trouve dans cette situation-là, qui peut être influencé par son âge ou par son incompréhension de la langue ou sa capacité ou de parler français ou de répondre à des questions qu'on lui pose, peuvent être pour lui un handicap ou un avantage pour s'en sortir dans ce procès. Prof, j'espère que vous avez compris ma question. Bien sûr, j'ai bien compris. Je pense qu'on a eu à y reprendre dans une des émissions précédentes pour dire que si M. Jamal était atteint d'incapacité, il ne pouvait même pas prétendre signer le contrat, il ne pouvait même pas négocier ce contrat-là. Donc, je pense que son attitude au niveau du tribunal, à mon avis, ne peut pas faire en sorte qu'on retienne le fait qu'on a affaire à une personne qui ne comprend pas. C'est peut-être à mettre sous le camp de la diversion. Alors, ce que je peux peut-être dire, tout en émettant des réserves sur sa culpabilité ou son innocence, c'est qu'il faut d'abord retenir en amont, n'est-ce pas, que lorsque vous concluez un marché public, l'État ne met pas la totalité de l'argent à votre disposition. La loi sur les marchés publics prévoit que vous touchez d'abord 30%. Or, dans le cas de Jamal, il reçoit la totalité du montant sans que l'avenant n'ait été approuvé et avec des prix sur le deuxième marché qui semblent être en totale discordance avec le premier marché. Mais prof, c'est un homme d'affaires. Je pense que en tant que businessman, vous demandez 30%, on vous donne la totalité, on se frotte les mains. C'est pas de votre faute si on vous donne. C'est la faute de ceux qui vous donnent parce qu'il y a des principes pour obtenir des marchés, pour faire des travaux, s'il s'agit des marchés de gré à gré. Mais on, comme vous l'avez dit, on remarque ici, on lui donne la totalité. Où se trouve sa faute? C'est de l'avoir accepté. Il aurait dû dire retournez cet argent et donnez-moi juste 30%. Je suis bien d'accord qu'il est businessman, comme on va le dire, mais vous devez savoir que le business travaille avec les règles d'éthique, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous voulez faire le profit que vous allez, prendre un gain sordide, un gain qui ne se justifie pas au niveau surtout des deniers publics. Mais ça ne s'arrête pas là. On va plus loin. Lorsque vous êtes exportateur et que vous devez exporter des biens de l'extérieur vers le pays, la loi exige que vous puissiez souscrire à ce qu'on appelle une licence d'exportation auprès de la Banque centrale. Et à ce niveau-là, vous devez déclarer le montant pour lequel des marchandises que vous allez exporter. Lorsque M. Jamal reçoit 57 millions de dollars, il va auprès de la Banque centrale et ne déclare qu'une exportation de 7 millions de dollars. Quand on lui pose la question de savoir qu'avez-vous fait des 50 millions de dollars qui restent, on se rend compte que ses enfants ont retiré cet argent de son compte et pour une destination inconnue. Or, vous devez savoir que selon la législation sur la réglementation d'échange et même sur le blanchiment des capitaux, vous ne pouvez pas faire une transaction de plus de 10 000 dollars sans passer par le circuit bancaire. Alors, là, quand on pose à M. Jamal la question, cet argent a pris quelle destination? Il ne sait pas répondre. C'est là le problème. C'est vrai que c'est assez compliqué. Maître Adolphe, j'aimerais comprendre quelque chose dont on a beaucoup entendu parler dans ce procès, notamment dans la réflexion de ce juriste. Je vous pose une question comme toujours, comme un Congolais lambda. J'apprends énormément en droit dans cette émission depuis que vous êtes notre spécialiste maison. Pour des gens comme moi qui ne comprennent pas la différence entre le pénal et le civil, c'est des choses qui reviennent souvent, on dit « ouais, ça sont des choses qui se font au civil, ça c'est un procès pénal ». En des termes simples, pour des gens comme moi qui ne comprennent pas, c'est quoi la différence entre le pénal et le civil? Ok. D'emblée, lorsqu'on parle du procès pénal, cela implique qu'il y a une infraction qui a été commise. Il existe un code qu'on appelle le code pénal. Dans ce code pénal, il est répertorié toutes les infractions ainsi que les sanctions qui y sont liées. C'est-à-dire que lorsque
vous enfreignez la loi par rapport à une infraction qui est prévue au code pénal. Ou clairement, lorsque vous posez un acte et que cet acte-là constitue une infraction qui est prévue au code pénal, à ce moment-là, lorsqu'on vous arrête, on va vous juger dans un procès pénal. Le procès pénal suppose qu'il y a une infraction qui a été commise, c'est-à-dire que l'ordre public a été perturbé. Nous avons les infractions comme le vol, le viol, le meurtre, les détournements, les déniers publics, ainsi de suite. Et donc, en dehors du code pénal, si un fait ne se retrouve pas dans le code pénal, on ne peut pas parler d'une infraction. Et les infractions sont d'un nombre bien limité et sont toujours associées à des peines ou des sanctions qui sont aussi prévues. C'est pourquoi il y a une expression qui dit « il n'y a pas d'infraction sans la loi, il n'y a pas de peine sans la loi ». Donc ce sont des faits qui viennent perturber l'ordre public. Mais le procès est civil lorsqu'il s'agit des intérêts privés. C'est-à-dire lorsque moi, je vais aller en divorce, ça ne concerne pas l'État, c'est une affaire privée. Lorsque je vais chez Marius, il me prête de l'argent et que je ne remets pas de l'argent, c'est une affaire civile, des affaires privées qui ne concernent pas l'État. Lorsque, par exemple, je voudrais adopter un enfant, c'est une affaire civile. Ou lorsque, par exemple, je crée une société et que nous devions, par exemple, nous avons un conflit au sein de la société, c'est une affaire civile, c'est-à-dire tout ce qui est civil, ce sont les intérêts particuliers, les intérêts privés qui n'ont rien à voir avec l'ordre public. Lorsqu'il y a une faute civile, cette faute ne perturbe pas l'ordre public, mais la faute cause un préjudice aux intérêts privés des individus. C'est ça la différence. Lorsqu'on parle d'un procès civil, de façon large, il peut s'agir des affaires commerciales, il peut s'agir des affaires purement civiles qui se retrouvent notamment dans le code civil, dans le code de la famille. Il s'agit des questions de la, par exemple, de conflits parcellaires lorsque vous vous disputez un bien immobilier. Donc voilà en gros en quoi consistent les questions civiles. C'est un peu ça, la petite explication. Merci beaucoup, Maître, pour ces explications. J'espère que des gens comme moi qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas beaucoup la différence entre les deux ont appris. Le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran, 001-202-847-94-74. Appelez-nous pour poser des questions ou dire ce que vous pensez avec nos spécialistes maison. Je préfère que ce soit plutôt des partages par rapport à ce que vous pensez qui peut être accompagné, contredit ou expliqué ou voilà par nos spécialistes maison qui sont encore là. C'est le 001-202-847-94-74 pour ceux qui parlent le français de la France. Et pour nous qui parlons le français de la Belgique, on nous a appris qu'il faut dire 001-202-847-94-74. Voilà, j'aime pas dire nous qui avons été colonisés. Ça prête à... Alors, vos questions doivent être en rapport avec le sujet que nous sommes en train de débattre et nous espérons que techniquement cet exercice va être possible et que nous pourrions nous entendre. Nous allons prendre ce tout premier appel qui vient de la Grande-Bretagne avec Z+. Z+, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Voilà. Allô? Allô, je pense que Z+ ne m'entend pas, ou il y a un petit souci de connexion, ou on va essayer d'arranger ça tout à l'heure, mais nos spécialistes maison sont là pour écouter vos questions ou vos préoccupations par rapport à notre sujet du jour. Alors, est-ce que vous m'entendez, notre ami Z+? Je vous entends très bien, je dois vérifier le son. Si non, on vous entend, ça va, c'est bon, direct, ça va, c'est bon, on vous entend. Z+, on vous écoute, vous m'entendez? Oh là là, il est parti. Nous allons prendre notre amie Rita Malumalu qui nous appelle depuis la France. Rita, bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tout le monde.
Alors, moi, la question que je voudrais adresser à Maître Maputo pour ce Kabang, c'est celle de savoir, l'élément que j'ai retenu qui m'a un peu surpris, c'est le fait d'avoir décrit la façon dont M. Vital Kamerhe, sans pour autant qu'il soit déjà condamné, pourquoi il aime encore, sachant que l'argent était déjà sorti, puisque c'est un dossier qu'il suivait, il a encore commencé à écrire des lettres pour que un autre montant de 57 millions d'euros. Vous posez la question pourquoi, je pense pas que nos juristes savent pourquoi il a fait ça, c'est pas pour ça. Est-ce qu'il y a des questions en termes Non, justement pour... Comme on est en train de dire que voilà, il y a des gens, il y a certaines personnes qui disent voilà, il n'a pas de preuves par rapport à M. Vital Kamerhe. Mais moi, je pense que bon, si c'est pas une question, alors c'était un constat que j'ai fait. Le fait de pouvoir encore écrire, insister qu'un autre paiement soit effectué pour quelque chose qui a déjà été fait au préalable. Qu'est-ce que ça peut provoquer comme, ça peut avoir comme incidence par rapport à ce procès, par rapport à la personne de M. Vital Kamerhe? Alors, vous avez entendu, j'espère que vous allez les entendre, j'espère, techniquement. Vous pouvez parler, Rita pense, Maître, que, voilà, est-ce qu'il y a, un problème, le fait qu'il a demandé, je pense que c'est ça, Rita, il y a d'abord la première tranche qui a été payée, en plus la deuxième, le fait qu'il l'ait ajouté. Est-ce que ça peut compliquer sa situation, Maître Prof Christian? La première totalité avait déjà été payée de 57 millions. Après, il a encore écrit pour que les autres 57 millions soient encore versés. Oui. Prof, allez-y, je vais juste tester pour voir si Rita va vous entendre. Allez-y. Ok. Donc, je ne sais pas si le directeur... Rita, vous l'entendez? Oui. Allez-y. Voilà. Donc, je ne sais pas si le directeur de cabinet avait exigé deux fois qu'on paye 57 000. Je n'ai pas cet élément. Mais les 57 000, au fait, ont été payés en 4 ou 5 tranches. Je ne sais pas. Je vous ai dit tout à l'heure que un marché public, quand on paye d'abord 30% et on regarde l'évolution de l'exécution sur le terrain. C'est après qu'on va commencer à payer la suite. Donc, on ne pouvait pas payer tous les 57 millions à M. Jamal. Et le fait que l'ordre est venu du directeur de cabinet qui agissait en procédure d'urgence, ça pose un problème. D'autant plus que l'avenant n'était pas régulier. Rita, j'espère que vous avez entendu. Merci beaucoup, Rita, pour votre question. On va donner l'occasion à d'autres personnes d'intervenir. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci énormément, Rita, pour votre soutien. Nous continuons, appelez-nous, dites-nous ce que vous pensez ou si vous avez une question à poser à nos juristes qui sont là avec nous aujourd'hui à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. Allô? Voilà, problème de connexion, nous allons partir en France pour prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir, Marius. Oh, Marius, t'es bien, très bien habillé. Merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question à poser au maître. Allez-y. Bonsoir, maître Adolphe et maître. Bonsoir, prof. Christian. Bonsoir, cher ami. Je ne comprends pas. Comment on peut dire que Vital il a détourné l'argent? Là, quand il n'y a pas de preuves, quand il n'y a pas de papier, et puis le paiement a été fait à Jamal, et Jamal accepte d'avoir été payé, il n'y a pas un lien qui montre, selon la loi que Kamerhe a reçu ou a dépensé l'argent. Je ne comprends pas. D'accord. Nous allons justement écouter la réponse de Maître. S'il vous plaît, vous m'entendez? Je pense qu'il y a des échos, mais c'est pas grave, on va faire avec. Maître Adolphe, oui, c'est ça la question. Et je pense que vous y avez répondu tout à l'heure, mais en termes clairs et précis, il n'y a pas de lien que Kamerhe a bénéficié de cet argent qui est sorti. Oui, d'accord, il a donné des ordres, peut-être des ordres mal donnés, ou il a fait sortir l'argent avant que l'avenant soit accepté par l'autorité compétente. Mais il n'y a pas de preuve que Kamerhe a reçu d'une façon directe ou indirecte
cet argent. Donc, s'il arrivait à être condamné, je vais juste vous compléter, ce sera du fait qu'il a donné, du fait des ordres mal donnés ou anticipé le processus normal. Voilà. Voilà. Maître Adolphe, on vous écoute. Si vous écoutez, vous me dites. Allez-y. Maître Adolphe. Oui, d'abord ici, j'aimerais préciser que vous entendez, sa mère n'est pas encore... Oui, je vous attends. Ok, allez-y. Oui, je voudrais préciser que M. Vital Kamere n'est pas encore coupable. Il appartiendra au juge de pouvoir établir la culpabilité. Par rapport à cette question, j'aimerais aussi préciser, comme je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas les effets... C'est le comportement de Vital Kamere qui va être jugé par C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être qu'il y a effectivement un lien entre M. Kamere et M. Siamal. Les faits vont s'attarder sur le comportement de Vital Kamere, la façon dont il a opéré de la meilleure façon. Est-ce qu'il a effectivement fait des actes qui ont fait que les gens ne puissent pas déposer par rapport à tous ces éléments-là pour les juger. Je tiens à préciser ici que si vous attendez à voir le procureur ou la partie sortir un acte de reconnaissance, M. Kamere disant que n'a pas perdu tel montant de la part de Kamere, ce n'est pas ça la question. Le tribunal n'est pas une infraction. Et que vous essayez de bien dire, porter des raisonnements. Lorsqu'un monsieur viole une femme et que deux, une semaine après, aucun effet, c'est-à-dire que la femme n'est pas rien du tout, est-ce qu'on ne juge pas les messieurs par rapport aux effets qui ne sont pas visibles ou on les jugera par rapport au fait d'avoir passer un acte qui n'est pas dit par rapport. C'est là où se pose le problème. Les juges ne viennent pas constater que la mère a perçu une somme d'argent. Les juges viennent ici constater le comportement des caméras qui auraient agi en violation de la loi, mais a ordonné de façon expresse que l'argent soit alors que cet argent n'est vu par un document. C'est à cela que les juges sont obligés. Donc, par rapport à ça, je ne peux pas vous dire que vous êtes caméré, qu'il est une femme. Ça, c'est une conviction que je peux apprécier. Et effectivement, les actes de Vital Kamere par rapport à la sortie des documents constituent l'infraction des documents. Et je tiens à préciser que le jurisprudent de cette matière dit que même si l'auteur du détournement ne bénéficie pas des effets du détournement, il est néanmoins être reconnu comme responsable de l'exécution du détournement. D'accord. Merci beaucoup, Maître Adolphe. Mais j'aimerais quand même de proposer à vous tous qui posez des questions, et aussi à vous qui répondez, d'essayer d'être le plus bref possible, parce qu'ils sont nombreux en ligne à vouloir poser des questions, et nous allons essayer de donner l'occasion ou la chance à tout le monde de poser leurs questions. Nous allons prendre cet appel. Allô ? Allô ? Qui vient de la Belgique ? Allô ? Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Marius, c'est ton aîné, Domi, depuis la Belgique. Grand frère, bonsoir et merci beaucoup de suivre ton petit frère. On t'écoute, c'est quoi ta question? Oui, en fait, j'ai une question à poser à vos deux invités qui sont là présents. C'est par rapport dernier procès donc de Pédouari, je voulais savoir quelle était l'intention de la défense de M. Kamere lorsqu'ils sont venus nous brandir la dernière pièce sur laquelle ils insistaient beaucoup plus devant le tribunal qu'on puisse en discuter, alors que ce jour-là était bien prévu qu'il devait y avoir Pédouari. Merci beaucoup pour cette très belle question hein, qui nous renvoie d'ailleurs à cette note circulaire de la Cour constitutionnelle. C'est une question, oui, ils ont brandi notamment le discours du président de la République et à un moment donné, ils ne voulaient pas que ces plaidoiries aient lieu. La question, c'est
Pourquoi, selon vous, prof Christian, il voulait à tout prix parler de l'inconstitutionnalité de ce procès? Et comment est-ce que, on va revenir à ça tout à l'heure avec Maître Adolphe, on peut lier ça à cette circulaire de la Cour constitutionnelle que vous pourriez nous expliquer tout à l'heure? Alors, voilà, la question de mon grand frère, c'est mon grand frère de famille, Domi, c'est de savoir pourquoi il voulait à tout prix, au début de cette procédure, en parler, que nous puissions savoir. Prof. Voilà, je vais essayer de reprendre assez rapidement pour laisser peut-être un peu de temps à Maître Adolphe aussi pour compléter. Sur cette question, vous avez remarqué que les avocats des prévenus Kamere et aussi Jamal, pour une partie, n'étaient pas venus donner l'impression qu'ils n'étaient pas venus préparer pour plaider au fond de l'affaire. Ils ont voulu se cramponner sur ce qu'on appelle des exceptions. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en justice, avant de débattre sur le fond, vous avez le droit de soulever des exceptions. Notamment si vous estimez, par exemple, que le tribunal est incompétent, si vous estimez que la demande devait être irrecevable, et si vous estimez, comme on l'a vu dans ce cas-là, qu'il y avait une exception qu'ils ont soulevée sur l'inconstitutionnalité. Alors, le problème, c'est que lorsque vous soulevez des exceptions, les avocats doivent généralement conclure sur le fond à toute fin utile, parce que vous ne savez pas comment est-ce que la Cour va répondre à vos exceptions. Donc, au-delà des du fait que vous soulevez des exceptions, il faut aller au fond, de manière à ce que si la Cour décide de passer outre ces exceptions, vous aurez au moins plaidé sur le fond. Alors, avant de dire quelque chose sur l'exception d'inconstitutionnalité, sur la question du CD qui contenait le discours du président de la République, c'est clair que l'intention est de démontrer que l'instruction était celle du président de la République et non celle du directeur du cabinet. Donc, il voulait dédouaner le directeur du cabinet de cette responsabilité par rapport à l'ordre qui a été donné. Alors, le problème qui se pose, c'est que vous allez remarquer qu'ils ont substitué une remise parce que il faudrait que toute pièce qui est déposée au dossier fasse l'objet d'un débat de contradiction. Parce que sinon, alors, le juge ne peut pas statuer ou décider en incluant aussi cette pièce-là au dossier. Voilà pourquoi ils avaient sollicité une remise. Évidemment, la Cour a apprécié, ils ont estimé que ce n'était pas important. Alors, sur la question de l'inconstitutionnalité, il est clair, quand vous lisez... J'aimerais bien, prof, justement, qu'on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup, on va revenir à vous. Qu'on en parle avec Maître Adolphe sur cette note. En fait, Vital Kamerhe peut avoir l'occasion de s'en sortir. Je veux dire, que ce jugement puisse avoir fin, puisse se terminer. Oh là là, l'anglais. Que ce jugement puisse se terminer, que ce procès soit oublié, terminé, Vital Kamerhe reprend sa vie normale, ça c'est possible. Mais c'est seulement si cette lettre, ce circulaire de la Cour constitutionnelle, Maître Adolphe, c'est quoi cette circulaire? Expliquez-nous un peu l'impact que peut avoir cette circulaire sur la façon à laquelle le procès se déroulait, si aujourd'hui les juges venaient à en tenir compte, qu'est-ce qui pourrait arriver. D'abord, c'est quoi cette circulaire, Maître Adolphe? Oui, la circulaire, c'est une décision qui est prise logiquement par l'autorité supérieure, ici, président de la Cour de cassation actuellement, à l'époque la Cour suprême de justice. Cette circulaire vient simplement rappeler les juges à l'ordre. Le premier président de la Cour de cassation demande aux juges de pouvoir tenir compte des exceptions d'inconstitutionnalité qui seraient soulevées pendant la procédure ou en cours d'audience. C'est-à-dire qu'avec l'exception qui a été soulevée par M. Vital Kamerhe au travers de ses avocats, les juges doivent absolument tenir compte de cette exception d'inconstitutionnalité. Ils doivent en principe sursoir et renvoyer cette exception au niveau de la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse se prononcer par rapport à la demande de Vital Kamerhe.
Mais j'aimerais prétendre que ces droits qui sont prévus par la Constitution n'ont pas été respectés tout au long du procès. C'est la raison pour laquelle il a soulevé l'exception constitutionnalité qui est en principe dont l'article 162 de la Constitution donne la teneur. Et je pense que le premier président de la Cour des cassations vient justement rappeler cette disposition constitutionnelle qui voudrait que lorsqu'un individu, au cours d'un procès, une partie, je voulais dire, soulève ce moyen d'inconstitutionnalité, il faut que les juges ou les tribunaux puissent sursoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que lorsque les tribunaux vont venir pour se prononcer, le tribunal ne va pas répondre à ce moyen d'inconstitutionnalité. Comment va-t-il répondre? Le tribunal va constater qu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui a été soulevée par Vital Kamerhe. Le tribunal va devoir sursoir, c'est-à-dire qu'il ne va pas se prononcer sur le fond, et le tribunal devra, conformément à ses circulaires, émettre une requête et l'envoyer au niveau de la Cour constitutionnelle. Il appartiendra à la Cour de pouvoir statuer sur la question posée par Vital Kamerhe, et la Cour, la réponse de la Cour, c'est de cette réponse-là qui dépendra la suite du procès. Si la Cour reçoit l'exception de Kamerhe et l'a dit fondée, à ce moment-là, le procès va être purement et simplement annulé. Vital Kamerhe ne pourra plus être condamné. Non seulement ne pourra plus être condamné, ce procès ici ne pourra plus revenir à nouveau parce que on ne peut pas juger une personne deux fois. Mais si la Cour venait à rejeter la demande de Vital Kamerhe, le juge vont réouvrir les débats et donner leur prononcer leur jugement par rapport au fond qui a été développé. Alors, maître, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit pour être sûr que moi j'ai compris. Donc, si j'ai compris, sûrement que beaucoup d'entre nous auront compris. Donc, les avocats de Vital Kamerhe ont soulevé tout au long de la dernière audience l'exception d'inconstitutionnalité. Donc, la prochaine fois que la Cour revient sur cette affaire, elle doit tenir compte et répondre à cette circulaire, justement, répondre à cette demande d'exception d'inconstitutionnalité en répondant à cette demande de la Cour constitutionnelle. C'est à la Cour constitutionnelle d'étudier. Et si la Cour constitutionnelle trouve que les avocats de Vital Kamerhe ont raison du fait d'avoir soulevé cette exception d'inconstitutionnalité, les juges de Vital Kamerhe l'affaire va être close et finie ce procès Vital Kamerhe. Vital Kamerhe consort rentre en liberté normalement. Mais si la Cour constitutionnelle trouve que il n'y a pas d'inconstitutionnalité, alors les juges peuvent rendre leur jugement que nous attendons donc le 20. C'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça, sauf que c'était juste une petite chose. Ce n'est pas que si le juge de la Cour constitutionnelle trouvait que Vital Kamerhe avait raison de soulever cette exception, c'est si les juges de la Cour constitutionnelle constataient que la demande de Vital Kamerhe est fondée, à ce moment-là, la Cour va établir effectivement qu'il y a eu violation de la Constitution et les juges, au niveau du tribunal de grande instance, seront obligés purement et simplement de suivre la décision de la Cour constitutionnelle et Vital Kamerhe pourrait repartir à la maison librement. Donc ça veut dire que quoi? Tout ce qu'on a assisté pendant un mois serait fini? On n'en parle plus ou il va y avoir un autre procès? Ils peuvent revenir avec de nouveaux éléments. Ça va être quoi? Ce serait quoi? Non, si l'exception soulevée par Vital Kamerhe était reçue et fondée au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est fini. Le procès va partir au passé, on n'y reviendra plus. On ne pourra plus non plus juger Vital Kamerhe deux fois avec le principe non bin idem, c'est-à-dire on ne peut pas revenir juger quelqu'un une deuxième fois pour une même affaire. Et donc ça sera fini. C'est un peu ça aussi les droits. Alors donc, on peut dire que le sort de Vital Kamerhe aujourd'hui, d'une certaine façon, se trouve entre les mains de la Cour constitutionnelle qui peut,
juste sortir de l'affaire, quoi. Fini, terminé, M. Caméré retourné à la maison, et les amis de Vital Caméré seront contents et pourront crier à la victoire. Et finalement, il pourra encore se représenter en 2023, parce que beaucoup parlent d'un procès politique. D'ailleurs, il en parle lui-même, Vital Caméré. Mais quand le juge lui pose cette question, quand il parlait de cette condamnation à l'avance, il lui a posé une question que j'ai notée quelque part. Ce que vous dites là, vous mesurez ce que vous dites. Prof, pourquoi le juge a insisté du fait que Caméré était en train déjà de dire que je sais que je suis condamné d'avance, c'est un procès politique, les gens qui font ça en veulent le chef de l'État parce qu'ils sont en train ils veulent pas que le programme du président de la République soit réalisé, donc c'est pour ça qu'il s'attaque à moi. Je sais que je vais déjà être condamné, 30, 40 ans, il a dit. Et le juge lui a dit, ce que vous dites là, vous mesurez ce que vous dites. Prof, pourquoi le juge a insisté là-dessus? Ben voilà, je vais y répondre, mais si tu permets, il y a quand même un élément que j'aimerais ajouter en rapport avec l'exception d'inconstitutionnalité. Mm-hmm. Si tu permets, que j'y revienne bien juste sûr. Un peu avant bien de sûr. Répondre. Ok. Alors, je pense, à mon avis, que la circulaire qui circule, on va dire, du premier président de la défunte Cour suprême, n'aliène pas le pouvoir d'appréciation du juge au niveau du tribunal. Il faut savoir que l'exception d'inconstitutionnalité doit répondre à une exigence. Il doit s'agir d'une demande nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le juge constitutionnel ne doit s'être jamais prononcé, n'avoir jamais eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des éléments de cette inconstitutionnalité qui a été soulevé par le prévenu Caméré que je n'ai pas peut-être maîtrisé, mais je pense que sa demande principale porte sur le caractère inconstitutionnel de la peine de travaux forcés. Donc, ils estiment que la peine de travaux forcés pour laquelle on est condamné lorsqu'on a commis l'infraction de détournement de deniers publics, que cette peine-là est inconstitutionnelle et qu'elle viole, n'est-ce pas, je pense, l'article 6 de la Constitution. Alors, la difficulté à ce niveau-là, je pense que là, ce que tu balances, c'est la jurisprudence sur une autre question, mais il y a un arrêt, au fait, de la Cour suprême qui faisait office de juge constitutionnel et qui dit clairement que la peine de travaux forcés n'est pas contraire à l'article 6 de la Constitution. D'autant plus que la RDC est partie à la Convention 29 et au Pacte international sur les droits civils et politiques qui estime que les travaux forcés doivent être bannis, sauf lorsqu'ils découlent d'une condamnation en justice. Alors, à mon sens, c'est vrai qu'il y a la circulaire et que le tribunal peut décider, s'il le veut, de soumettre au juge constitutionnel, mais il peut aussi trouver une excuse dans le fait qu'il y a déjà, sur cette question, une réponse du juge constitutionnel est passée outre. C'est ma position, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, je reviens sur la question sur les déclarations du juge, de M. Ouais. Vital Caméré. Ouais. La réaction du juge, en fait, c'était en quelque sorte pour dire, est-ce que vous êtes en train d'accuser la Cour? Parce qu'il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle l'outrage au tribunal, l'outrage à la Cour. C'est-à-dire essayer de charger la Cour comme pour dire que vous tenez simplement à me condamner parce qu'il y a des objectifs politiques derrière ça. Mais bon, évidemment, c'est une manière de le rappeler à l'ordre. Et le juge a très rapidement demandé à M. Caméré simplement de conclure et d'éviter de tomber dans la diversion. Oui, Maître Adolphe, moi je lisais derrière ça ce que ça veut dire, que vous savez déjà que vous allez être condamné, c'est pour ça que vous le dites. C'est pas comme ça que vous avez pris ça? Non, je pense que Vital Caméré, c'est un fin politicien. Il essaie de jouer avec, je pense, les sentiments. C'est un bon parleur. Et le tribunal n'a tout simplement pas apprécié le fait qu'il ait dit que le jugement était déjà dans un droit.
de dire devant un juge, à ce stade, il aurait dû être humble et d'éviter de dire tout propos, de ne pas énerver les tribunaux. Mais j'aimerais essayer d'aider le professeur par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure sur la question de l'exception d'inconstitutionnalité. Peut-être que je n'ai pas lu la même chose que le professeur, mais je pense que Vidal-Camiri a soulevé ses moyens par rapport à ce droit de défense qu'il estime pouvoir être violé, alors que la Constitution garantit le droit de la défense. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici du fait que le ministère public a demandé qu'il soit condamné à une peine de travaux forcés. D'autant plus que le ministère public a pris une proposition, ce n'est pas une décision qui émane du juge, c'est une proposition du ministère public. Et Vital Kamerhe a soulevé ce moyen d'inconstitutionnalité par rapport à ses droits. Il estime en effet que ses droits de la défense sont violés, alors que ses droits sont prévus par la Constitution, prévus et garantis par la Constitution. Je peux me tromper, si je me trompe, le professeur aura raison de dire cela, mais je voudrais ici faire la lecture de l'article 102 de la Constitution, qui est clair sur cette question. Cette disposition dit que la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui est soulevée, il n'appartient pas au juge devant lequel l'exception a été soulevée de trancher sur cette question. Le juge doit en principe sursoir et se tourner vers la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse se prononcer sur l'exception qui a été soulevée. Je pense que c'est ça la procédure et à moins que je ne puisse pas bien avoir suivi le contenu de l'exception qui a été soulevée. Si l'exception est relative au fait de ses droits de la défense, et donc il a parfaitement raison de pouvoir soulever ce moyen-là, probablement qu'on peut estimer que c'est un moyen dilatoire pour essayer d'éviter d'entrer au fond, mais le mal est déjà fait, les pédagogies ont été données, et donc attendons la suite. Merci beaucoup, Maître Adolphe. On va prendre peut-être trois questions avant de finir cette émission. Et la toute première question nous vient de l'Afrique du Sud. Allô, bonsoir. Bonsoir, les éminences grises. Bonsoir, les éminences grises. Les éminences grises, on vous salue. Vous l'êtes aussi parce que vous suivez cette émission, parce que je sais que ce n'est pas évident. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais le fait que vous soyez là, une personne ou plus, à suivre ce débat, ça veut dire que vous êtes une éminence grise, parce que vous comprenez, et je suis très fier de vous. Je vous écoute, votre question à nos éminents juristes. Bon j'ai une question qui est... Bon, deux questions qui sont en quelque sorte intimement liées. Aaron Sony, je ne t'ai pas reconnu. Ouais. Allez, vas-y Aaron. Bon, je reviens, premièrement c'est sur la Constitution. Constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité des actions de Vital Kamerhe. Étant donné qu'il a été nommé par le président et puis qu'il a été investi d'un mandat et qu'il y avait ce projet de la présidence et qu'on dit que c'est lui, en quelque sorte, qui engage la présidence, comment est-ce qu'il fallait qu'il y ait un premier ministre pour engager la présidence et où se trouve l'inconstitutionnalité à ce niveau-là? Bon, moi je pars de l'idée que Vital Kamerhe a agi selon les droits et en tant que responsable de la présidence, on lui a confié l'argent, ok? Et cet argent-là, il l'a transféré chez quelqu'un qui n'est pas, chez une tierce personne qui n'est pas un inconnu, mais quelqu'un qui avait déjà été désigné comme bénéficiaire pour certains travaux. À ce niveau-là, moi, je ne vois pas de fraude. Je pense seulement qu'il faut redéfinir. Est-ce qu'il ne fallait pas redéfinir les charges contre Vital Kamerhe, peut-être comme la fraude, en d'autres termes, au lieu de quoi, de détournement, parler de fraude? Donc, c'est l'inconstitutionnalité et puis, deuxièmement, redéfinir les charges. Mm-hmm. Donc, c'est juste ça que j'ai comme question. Oui, c'était est-ce qu'il y aurait une différence, prof, entre fraude et détournement? Est-ce qu'il ne fallait pas parler plutôt de fraude?
Prof Christian. Disons que le juge pénal d'abord est saisi des faits, il n'est pas saisi des préventions. C'est-à-dire que même si, évidemment, à ce niveau, on a déjà pris l'affaire en délibéré, mais lorsque on emmène des faits sur la table du juge, vous allez d'ailleurs remarquer que lorsqu'on rend le jugement, on exige que le juge puisse motiver sa décision. Qu'il décide de condamner ou d'acquitter, il va motiver d'abord sur les faits, pour déclarer si les faits, pour expliquer si les faits sont établis, et ensuite il doit motiver sur le droit. Alors, sur la question de la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité des pouvoirs exercés par M. Vital Kamerhe, j'aimerais dire ceci, c'est que le pouvoir d'injonction au ministre dans notre constitution revient formellement au Premier ministre. Je l'ai expliqué une fois qu'on a dans notre constitution un exécutif bicéphale. Alors, la logique aurait voulu que les projets de 100 jours attendent qu'il y ait un gouvernement légitime et à ce moment-là, on aurait respecté les règles. Mais lorsque un directeur de cabinet décide, lui, d'exercer les pouvoirs d'un Premier ministre, et je vous ai dit ça la première fois, que même le président de la République n'a pas le pouvoir de déléguer les pouvoirs du Premier ministre à son directeur de cabinet, parce qu'il n'y a pas de délégation complète. C'est un principe de droit. La Constitution ne prévoit nulle part que lorsqu'il n'y a pas encore un gouvernement après les élections, on doit déléguer les pouvoirs du Premier ministre à un directeur de cabinet. N'est-ce pas? Et deuxièmement, non pas d'exercer, même si c'était le cas, ce pouvoir en violation des lois de la République. En tant que superviseur du programme des 100 jours, et en tant que directeur de cabinet et technicien, il doit savoir qu'on ne peut pas sortir l'argent des caisses de l'État sans sous-traitant juridique. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que le problème se pose dans mon sens. Merci beaucoup, merci à Ronsoni pour ces questions. Nous allons essayer de prendre une autre question qui vient de la Suisse. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous téléphone pour participer à l'émission, mais je trouve qu'ils sont en train de parler et tout. Vous êtes en direct? Vous êtes en direct. Vous appelez comment? Oui. Gérard Katako, je vous appelle de la Suisse. Bon, je vais participer la prochaine fois parce que je vois qu'ils sont en train de parler. Donc, non, Gérard, vous êtes en direct, vous pouvez participer. Il y a un retard entre la réception et votre téléphone. Vous allez vous entendre tout à l'heure d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez poser votre question à nos deux juristes? Ah là là, cher ami Gérard. C'est dommage, Gérard, si vous nous entendez. Allô? Allô Gérard? Ouais, ça c'est un problème. Oui, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez, Gérard? Vous m'entendez? Oui, je vous attends. Alors, Gérard, vous êtes en direct. Posez votre question, s'il vous plaît. Oui, en fait. Désolé pour notre ami Gérard qui avait pourtant une question à poser. Si vous appelez, juste concentrez-vous au téléphone, oubliez votre récepteur parce qu'il y a un retard, je crois, de 10 secondes ou plus. Avant que vous puissiez vous entendre. Nous allons prendre cet appel qui vient de l'Allemagne. Allô? Les États-Unis nous appellent. Allô? 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 Oh là là. Allô? Allô? Oh. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oh, vous êtes en direct, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Vous appelez comment? Je m'appelle Ernest. Ernest, on vous écoute. C'est le nom de mon oncle paternel, Ernest. Que j'appelle affectueusement. Je suis ton oncle paternel. Que j'appelle affectueusement. Moi, c'est Ernest Katula. Papa Ernest. Papa Ernest, on vous écoute. Oui. Je voulais savoir auprès de Prof, pourquoi on ne parle pas quand ils ont remis le marché à M. Jamal, ils n'ont pas su combien Jamal avait dans son compte. Parce que pour compter 30%, il faut que tu aies aussi l'équivalent de 30% dans son compte.
Mais là, je vois que les juges n'ont pas parlé de ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Je ne sais pas si nos juristes sont en mesure. Oui, allez-y. Je voulais savoir aussi quelle est la peine que aurait M. Massaro. Merci beaucoup. C'est une. Je pense plutôt qu'on va aller pour la deuxième question parce que la première, ils auraient dû voir si monsieur, pourquoi ils l'ont pas fait. Il avait 30%. Ça, je pense pas que c'est une question que vous à laquelle vous pouvez répondre. Mais monsieur Massaro, la peine. Oui, c'est vrai. Je pense que il y a une petite confusion entre ce pourquoi il est accusé, le fait qu'il a été témoin dans cette affaire. Je sais pas s'il y a une question, une réponse par rapport à ça, maître Adolphe. Oui, j'ai raté de saluer Aaron Sony, que j'apprécie beaucoup. Oui. Allez-y. Oui, je voulais ici relever que Massaro Daniel, dans le procès concernant Vital Kamerhe, est intervenu comme témoin. Il n'est pas concerné dans cette affaire-là. Massaro est poursuivi indépendamment de Vital Kamerhe, niveau du parquet, et il faut éventuellement attendre que le procès arrive aussi. Mais dans le procès de Vital Kamerhe et de Kamal, Massaro a été appelé comme témoin, et il a été entendu en titre de renseignement, compte tenu de son lien avec Vital Kamerhe. Et donc, il n'y a aucune sanction, aucune peine qu'il peut encourir par rapport au procès de Vital Kamerhe. Il faut attendre le juge. L'instruction qui est menée au niveau du parquet pour donner le sens. Merci beaucoup, maître Adolphe. Nous allons prendre l'avant-dernier appel de Grande-Bretagne. Allô? Allô? Allô, monsieur Marius? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, Marius. Je suis Christian, je vous appelle de Londres. Bonsoir Christian, c'est un plaisir de vous avoir dans notre émission. Merci Marius. J'aurais fait une approche un peu sentimentale par rapport à vous désinviter. J'adore la précision sentimentale, j'aime bien. Maître Mokoutou Mobaya, qui est un ami à moi avec qui on a terminé à la faculté de droit. Donc c'est vraiment un ami, il doit faire un témoignage que c'est un garçon très brillant. Donc, voilà, il fait ses preuves. Alors, quant au professeur Christian, il est donc le fils à mon professeur de droit administratif, le professeur Kabangé. Alors, si je ne me trompe pas, la morphologie de Christian m'hérite. Est-ce que vous, confirmez, prof Christian, que vous êtes le fils à votre père pour vous faire un test ADN? Bien sûr, je n'ai pas besoin de thèse d'ADN, ça peut se voir. Alors, ma question, Marius. Allez-y. Ma question, cher Marius, je suis tout à fait d'accord avec les analyses faites par mes amis. Ils sont très brillants et puis voilà, ce qu'ils disent, c'est vraiment ça. C'est du droit et du pur droit. Alors, mais je reviendrai sur un élément important que j'estime être important. C'est la question que vous-même aussi, Marius, vous avez posée. Je vous fais que je revienne sur ça. J'estime, à mon avis, que on devait impérativement promettre un interprète pour M. Jamel. Parce que j'estime que pour une bonne administration de la justice, il était impérieux que ce monsieur puisse être assisté par un interprète arabe, de manière à ce qu'il puisse s'exprimer en toute confiance. Et que ça puisse être très, très bien, que ça puisse comprendre les questions qui sont rattachées à cet exercice pénal qui est vraiment de la plus haute importance. Et je sais que le procès Christian avait botté en touche cette question, mais je veux quand même qu'il revienne sur ça pour voir le caractère impérieux, n'est-ce pas, de présence d'un interprète commis par le tribunal pour pouvoir aider M. Jamel à pouvoir se défendre utilement. Voilà merci, mon apport. Merci beaucoup. J'aime bien la montre sur votre profil. C'est très beau et c'est très cher. Marius, je rêve de ça, mon frère. Je rêve de ça. Allez, merci. Alors,
Maître et prof, justement, on en a parlé dans cette émission sur le fait que M. Jamal, non seulement qu'il ne s'exprime pas bien en français, qu'il a des limites, nous savons que c'est son droit de demander à ce qu'il soit assisté d'un interprète qui dit, qui comprend ce qu'il dit, qui lui pose la question, qui l'explique dans la langue dans laquelle il se sent à l'aise et qui le dise. Mais là, jusque-là, on a vu, je l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que ceci ne peut pas constituer, justement, si ces avocats le demandaient, une exception d'inconstitutionnalité ou c'est trop tard à l'heure actuelle Mais qui veut répondre je à la pense question que la question est très pertinente. Et naturellement, les droits de la défense exigent que lorsque une personne est déférée devant la justice et qu'elle n'est pas capable de s'exprimer, que soit on décide de lui allouer un interprète d'office, soit à sa demande. Mais si vous avez suivi les différentes audiences, je pense qu'à la première audience, on a posé des questions à M. Jamal pour savoir s'il comprenait le français, comment il entendait s'exprimer. Et il a dit qu'il comprend, mais pour s'exprimer, parfois, il devra passer par ses avocats avec qui il a l'habitude de parler. C'est son droit. Du point de vue des principes, c'est son droit. Et si la Cour lui aurait refusé un interprète, ça peut être une cause, n'est-ce pas, qui pourrait emmener à soulever l'exception d'inconstitutionnalité dans la mesure où les droits de la défense n'auraient pas été respectés. Mais ici, en aucun moment, il n'a fait cette demande. En aucun moment, la Cour a refusé de manière expresse. Alors, quand on lui pose des questions et qu'il arrive dans un français assez tordu, mais qu'il arrive quand même à donner des réponses. Vous vous souvenez quand on lui a posé la question de savoir s'il connaissait M. Massaro? Il a pu répondre. Oui, mais on a vu ça. Maître, mais ici, est-ce que c'est tard ou ils peuvent rebondir sur ça pour dire « Écoutez, je pense que je ne me suis pas exprimé, je ne me suis pas bien exprimé parce qu'il y a des questions que je n'ai pas comprises, maintenant j'ai besoin de l'interprète. » Est-ce que c'est tard ou il peut encore rebondir dessus? Oui, je vais répondre à cette question, Marius. Si tu me permets de dire un petit coucou à Christian de Londres qui m'a appelé. En passant, je signale qu'il a une maîtrise en criminologie, donc il est mieux placé pour parler de ces questions pénales. Et pour répondre à cette question, je voudrais ici préciser qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que pour la bonne administration de la justice, le tribunal aurait éventuellement pu décider d'autorité de pouvoir allouer un interprète pour Jamal, parce que manifestement, nous avons tous constaté qu'il avait un sérieux problème de pensée ou de s'exprimer. Contrairement à ce que son avocat avait dit, il n'a pas un problème de communication, parce que la communication, comme tu le sais, Marius, c'est un terme vague. Il avait un problème pour s'exprimer en français, et donc le tribunal pouvait décider l'autorité pour une bonne administration de la justice de pouvoir prendre un interprète pour faciliter la compréhension de M. Jamal. Mais alors, il faut préciser une chose, que Jamal avait le droit d'exiger un interprète. Et s'il avait exigé un interprète, le tribunal aurait été dans l'obligation de lui en trouver un aux frais du tribunal. Et donc, c'est un droit qu'il n'a pas voulu utiliser. Il ne peut donc pas se retourner contre les tribunaux et soulever une quelque exception pour dire que le droit de la défense a été violé. S'il avait formulé la demande et que le tribunal avait refusé, à ce moment-là, il pourrait se prévaloir de ce refus du tribunal pour soulever ce moyen d'inconstitutionnalité par rapport à ses droits de défense et saisir la Cour par rapport à cette question-là. Mais il n'a pas fait usage de ce droit et la demande n'a pas été formulée. Et donc, le tribunal n'a pas refusé à Jamal un interprète. Donc, c'est par rapport à ces deux aspects que j'ai pu répondre à cette question. Voilà, on va finir cette émission parce que nous avons largement dépassé notre temps habituel, chers éminents juristes, avec une simple question de la fin, et c'était d'ailleurs le titre de l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais vous entendre, je sais que vous, juriste, en ce moment, vous êtes assez réservé de donner vos pronostics sur l'issue de ce procès. Nous savons que la prochaine étape, à moins d'être contredit tout à l'heure par vous deux, ça va être, le juge va,
va rendre son jugement. Ou... Quels sont, je vais vous entendre chacun à son tour, Maître Adolphe, pour vous d'abord, quelles sont les chances pour Vital Kamerhe aujourd'hui de s'en sortir ou d'être condamné ou quelles sont ses chances pour s'en sortir ou quelles sont les chances qu'il n'a pas par rapport au procès que nous avons suivi d'être condamné, selon votre observation? Oui, à ce stade, il faut absolument tenir compte de l'intime conviction des juges. Pour ma part, je pense qu'il est totalement indécent de pouvoir pronostiquer sur cette question. Vital Kamerhe peut être condamné, mais il peut aussi être innocenté. Ça dépend de la façon dont le juge va étudier les éléments dans son intime conviction, et c'est par rapport à tous ces éléments-là que le juge pourra finalement décider à la base mettre dans son jugement. Il faut obligatoirement que le juge puisse motiver sa décision, dire si Vital Kamerhe est coupable, le juge doit démontrer en quoi Vital Kamerhe est coupable, et si Vital Kamerhe venait à être innocenté, le juge a le devoir. Maître, ça, nous le savons justement, sinon je n'aurais pas posé cette question, c'est vous qui me l'avez appris, que tout dépend du juge. Maintenant, en tant qu'observateur, en tant que juriste, après avoir suivi tout ce procès, quels sont les éléments que vous avez pu constater qui peuvent l'innocenter ou quels sont les éléments qui peuvent lui permettre de s'en sortir? Oui, à ce stade de la procédure, je pense que je voudrais vraiment donner ma langue au chat. Je ne peux pas me permettre de me prononcer par rapport à ça. Je peux te rassurer, Marius, que j'ai ma petite idée sur cette question. Ah ben c'est dommage qu'on ne peut pas entendre cette petite idée, sûrement parce que vous êtes avocat et vous continuez à exercer en RDC, que vous avez été interdit de donner ce genre de pronostics. Nous allons essayer de nous rabattre sur le professeur de droit, professeur Christian. Vous êtes libre, sentez-vous libre. J'aimerais bien savoir, comme beaucoup des téléspectateurs en ce moment, quelles sont les chances pour Vital Kamerhe, après avoir suivi ce procès, quels sont les éléments qui lui permettraient d'être acquitté ou qui pourront jouer contre lui? Prof, je vous écoute. Bon, et évidemment, je ne sais pas trop dans quel sens il faudrait répondre à cette question, parce que dans tous les cas, ça reposera sur l'intime conviction des juges. Mais si je dois dire quelque chose, c'est que, comme je l'ai dit au départ, il y a des éléments qui jouent en sa faveur, il y a des éléments qui jouent en sa défaveur. Si le juge décide, par exemple, de regarder sur le fait que aucun acte matériel, par exemple, n'a été produit pour démontrer qu'il a empoché un rang, ça peut jouer en sa faveur. S'il regarde sur le fait que il y a une parenté, Monsieur Massaro, qui a reçu une donation de Monsieur Jamal dans un temps parallèle, ça joue en sa défaveur. Donc, il y a des éléments positifs et négatifs. Et à ce stade, honnêtement, je ne peux pas dire, on ne peut pas dire s'il sera condamné ou acquitté. Mais la seule chose qu'il faut déplorer peut-être, c'est que ses avocats n'aient pas plaidé au fond. Et ça, c'est vraiment un élément qui ne joue pas en sa faveur. On a vu également justement un avocat de Vital Kamerhe qui est un habitué des procès politiques et on a vu qu'il a essayé de jouer, permettez-moi l'expression, d'utiliser cette fibre de sensibilité politique. Est-ce que vous pensez que ça, en tant qu'avocat, si vous étiez en train de si vous plaidiez pour Monsieur Kamerhe, c'est un domaine qui peut marcher? Parce que voilà, ils savent que la popularité du chef de l'État actuellement est avérée. Et que le fait de dire que si on m'attaque, c'est qu'on attaque le chef de l'État, ce soutien populaire peut quelque part influencer la décision des juges pour voir que tiens, oui, c'est vrai, ça peut être politique. Est-ce que vous pensez que ça peut payer en tant qu'avocat, Maître Adolphe? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je voudrais rejoindre le professeur Christian. Je déplore simplement ou je regrette le fait que les avocats de Vital Kamerhe n'ont pas voulu aller au fond de l'affaire pour essayer d'apporter des éléments qui pourraient en fait mettre leur client à l'aise. Ils n'ont pas voulu affronter le ministère public ainsi que les avocats de la République. Je ne pense pas que la posture que les avocats ont prise soit une bonne stratégie et je ne suis pas sûr que ça va payer. Nous sommes dans un procès pénal, nous ne sommes pas dans un procès politique. Prof,
Je pense que l'avocat a voulu jouer sur la psychologie populaire, mais comme on l'a dit, le juge est tenu par son intime conviction. Toute la République peut être convaincue du contraire. Si le juge est convaincu que c'est ça, et ben c'est ça. Donc tout va reposer sur les trois juges. S'ils arrivent à décider qu'ils sont coupables ou qu'ils doivent être acquittés, ça va se jouer là. Ils ne doivent pas se laisser influencer par la vindicte populaire. Écoutez, à tous les deux, un grand merci d'avoir été là pour nous éclairer sur des points purement juridiques sur lesquels nous avions besoin de vos explications. Maître Adolphe Mopoutou Moukbaya, je rappelle que vous êtes juriste, doctorant, vous êtes à New York, congolais, bien sûr. Nous vous remercions énormément pour tout le soutien que vous apportez à cette émission. Prof Christian Kabangé, vous êtes docteur en droit à l'Université d'Afrique du Sud et vous êtes également professeur de droit à l'Université de Kinshasa et vous habitez Maryland aux États-Unis. Nous vous remercions énormément tous les deux pour votre contribution à cette émission. Merci encore. Merci Marius. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, merci beaucoup à tous les deux, prenez soin de vous. Maître Adolphe, j'ai senti que vous avez toussé tout à l'heure. Ces derniers temps, quand on a un peu mal à la tête, ça nous renvoie à penser. Ça va, hein? On a besoin de vous. Rassurez-vous, je vais bien. J'ai juste mal avalé le salive. D'accord. Alors, à vous aussi qui nous avez suivis dans cette émission, nous vous disons un grand merci. Merci beaucoup, merci particulièrement à Louise 45 et à Projet RDC. Louise 45 nous a envoyé 15 $, et puis Projet RDC nous a envoyé 10 $. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci énormément, ça nous va droit au cœur. Si c'est pour la première fois que vous nous avez suivis aujourd'hui, nous vous disons un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Nous espérons que nous avons été à la hauteur de votre temps et que nous apprécions énormément. Nous sommes en direct tous les jours, sauf les mardis et les jeudis à partir de 16h de Washington DC, 22h de Paris, 21h de Kinshasa, 20h en temps universel. Ce que nous vous proposons, c'est de venir vous joindre à notre communauté et de vous abonner à notre chaîne YouTube Marius Muhunga TV ou encore de continuer à aimer notre page Facebook Marius Muhunga. Nous sommes très ouverts à vos propositions, à vos critiques, à vos suggestions. Si vous pensez qu'il y a des choses dans notre émission que nous devrions améliorer, n'hésitez pas de nous écrire. Notre adresse email, c'est mariuschezvous@gmail.com, mariuschezvous@gmail.com. Écrivez-nous, dites-nous s'il y a des choses que vous pensez que nous pourrions changer pour améliorer la qualité de ce que nous vous proposons dans cette émission. Donc, si vous pensez également que vous êtes un businessman, a woman, et que vous pensez que vous avez une promotion à faire, n'hésitez pas, grandissons ensemble, soutenez l'émission et nous allons également soutenir votre business tout en faisant la promotion donc de ce que vous faites. Au nom de tous ceux qui chaque jour nous soutiennent et nous permettent d'être chez vous, je vous dis une fois de plus un grand merci de nous avoir suivis. Et j'espère vous retrouver demain, dimanche. Ouais, peut-être qu'on reviendra avec une émission antenne libre, la libre antenne, pour discuter une fois de plus des problèmes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, au nom de tous ceux qui chaque jour sont là pour nous soutenir à être chez vous, je vous dis une fois de plus un grand merci de nous avoir suivis. Et je vous retrouve demain à partir de 16h. D'ici demain, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous en ce moment difficile. Si vous ne me connaissez pas, au fait, je m'appelle Marius Muhunga et c'est toujours un plaisir pour moi d'être chez vous. Bonsoir chez vous et à très bientôt. Au revoir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.